Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing d'un support vélo pour mettre le téléphone, le smartphone plus précisément. Un support de Taotronic. Donc voilà, on va débuter l'unboxing. Tout d'abord, je tiens un peu à m'excuser parce que là, ça fait un petit moment qu'il n'y a plus énormément d'activité sur la chaîne. Je vais vous dire de quand date la dernière vidéo. La dernière vidéo date... d'il y a un mois déjà, niveau de la présentation des affaires de la Cofidis. En fait, il y a d'autres vidéos qui sont en préparation ou qui sont pensées plutôt. Mais le souci, c'est qu'ils sont compliqués, assez compliqués à réaliser. Du coup, ça prend pas mal de temps. Donc voilà, du coup, j'ai décidé de vous faire cette petite unboxing. Car c'est une petite chose que j'ai eue pour Noël, tout simplement. Donc qui sera plutôt pas mal. Du coup je vous fais la présentation et je vous dirai mon avis un peu ce que j'en pense à première vue. Je m'excuse aussi parce que je suis malade et ouais, du coup on l'entend peut-être un petit peu. Donc déjà on a quelques petits papiers. Bon, rien de très très intéressant au niveau de ça. Hop. Donc ici on a le support emballé, on va le sortir du papier. Hop, les... Voilà, hop, on a le petit... Alors ça, je vais vous expliquer tout de suite, ça sert juste à tenir le téléphone, à venir le mettre ici à l'accrocher. De toute façon, je le mettrai pour voir ce que ça donne. Donc voilà le support. Hop, on va le mettre à l'endroit, ça sera mieux. Donc, pour l'ouvrir, on vient ici juste appuyer. Hop, voilà, il s'ouvre. Après, vous resserrez selon votre téléphone. Et ici on a la pince juste derrière pour venir accrocher au téléphone, enfin au vélo, excusez-moi. Du coup là ce que je vais faire, je vais mettre mon téléphone, on va voir comment ça va rendre et après j'irai le mettre sur mon vélo pour voir comment ça fonctionne exactement. Hop, on va faire ceci, du coup en gros là on vient mettre le téléphone comme ceci. Hop, et voilà, le téléphone est maintenu. Et pour ajouter une petite sécurité, on peut venir mettre du coup soit la orange ou la noire. Moi j'ai laissé celle du coup de base. Hop. Hop. Et voilà, comme ça votre téléphone est maintenu. Bon, il y a pas mal de traces de doigts. Voilà, le téléphone est maintenu et ça m'a l'air de plutôt bien tenir. Maintenant, on va essayer directement le support sur le vélo. On se retrouve du coup tout de suite. Et donc le voici, le support installé. Donc ça tient plutôt pas mal. Du coup maintenant à tester directement sur le vélo. Mais ça m'a l'air de plutôt pas mal tenir. En gros ça marche comme si vous serrez votre tube de sel sur un VTT basique. Donc c'est plutôt bien maintenu. Donc vous voyez que là... Par contre, ça cache un peu le compteur. Mais bon, je roulerai jamais avec mon téléphone. Enfin, quasiment jamais si j'y roule avec mon vélo de route, avec mon téléphone. Ça sera plutôt pour le VTT. Donc voilà ce que ça donne. Je vais juste le rouvrir. Hop. Voilà ce que ça fait un centre téléphone. Donc voilà, des petites vidéos. De toute façon, j'essaye d'en ressortir une le plus rapidement possible pour la fin de l'année. Merci aux 90 abonnés. Sur ce, on se retrouve très vite. Allez, bye tout le monde.